les filles, coucou à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, je vais y arriver, du numéro 14. Donc on va lire le menu. Elle est super mignonne. Elle est super mignonne. Au début je pensais que c'était une pop, mais en fait c'est plus petit qu'une pop. Donc je ne sais pas, peut-être une figurine, je sais pas, on va voir. Je sais pas du tout. Donc on va voir. Alors elle a mis beaucoup de scotch là. Déjà je vois, oui c'est une figurine, je vois la marque. Oh. Ah, je suis trop contente. Donc c'est les figurines Snow Case, je sais pas comment ça se dit à chaque fois, et c'est la fée Clochette. Oh là là, je suis trop contente. Alors je vais essayer de l'enlever. Elle est toute petite en fait. Elle est trop mignonne, mais elle est toute petite. Je la voyais beaucoup, je la voyais un peu plus grande quoi. Elle est trop belle. Oh oui, c'est moi ça. Trop belle. En plus là, mon mari m'en a offert une de cette collection là, Stitch. Du coup, je suis trop contente. Merci, merci. Trop belle. Merci. Donc on se retrouve demain pour le numéro 15. Bisous, bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, donc pour le jour numéro 15. Elle m'a écrit, je n'ai jamais testé cette marque, en attendant, prends soin de toi. Donc c'est un gros paquet quand même. Ah, ça a l'air d'être des choses dans un carton, mais je ne sais pas du tout quelle marque. Je n'ai jamais testé cette marque, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est quoi? Oh là là! Mais t'es taré, sérieux! Oh. Bah, jamais je réponds à cette marque, tu vois. Je suis mais trop méga contente. C'est un coffret de chez Ritual. C'est mon premier coffret de chez Ritual, je crois. On m'avait déjà offert des produits. Mais donc du coup il y a quoi dedans? Il y a l'air d'avoir une crème, de crème, ouais je sais pas. Je vais essayer d'ouvrir, mais ouais non. J'ouvrirai. Attendez, il y a peut-être là. Brillant, shampoing, un gel douche, une crème pour le corps et une huile. Ah oh, je suis trop contente. Je l'ouvre pas parce que. Je vais faire mes photos et tout ça, mais je suis trop contente. Je l'ouvrirai, t'inquiète pas, en dehors de la vidéo. Mais merci, merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Oh, merci. Donc, on se retrouve demain pour le numéro 16. Déjà, ça passe trop vite. Truc de fou. Bisous, bisous. Merci, merci. Coucou les filles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, donc pour le jour numéro 16 déjà. Ça passe. Donc elle m'a marqué un de plus dans ta collection. Donc un de plus dans ta collection. Donc 16. Donc je pense que c'est vu la forme, vu je pense que c'est encore un tampon de chez Graffiti. On va voir. Eh oui, je reconnais la pochette. Trop cool. Trop cool. En plus, celui-là, je le voulais trop bien. Je suis en train de déchirer la pochette. Aïe, elle a mis du scotch dessus. Hop, j'essaie de... Ouais, non, c'est pas grave, tant pis. C'est un peu déchiré la pochette. Donc, c'est 100% gamer et tout. Celui-là, je le voulais trop pour mon fils. En ce moment, bah, c'est... il a fond dedans donc, pour faire des créas, donc c'est trop bien, je suis trop contente, donc merci, merci. Donc on se retrouve demain pour le numéro 17 déjà, et oui ça passe trop vite, bientôt on est déjà à Noël, oh là là, j'ai trop hâte d'un côté, mais d'un côté ça passe tellement vite après. Donc voilà, je vous fais des bisous, merci, merci.
Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent du jour numéro 17. Donc, j'en vois partout, mais j'ai du mal à m'en acheter pour moi. Vu la forme, et je sais qu'elle, elle aime pas trop, c'est une pop, je pense, mais quoi, je ne sais pas. Voilà, vu la forme, et oui, elle m'a dit qu'elle accrochait pas avec les pop. Donc, je pense que c'est ça. Mais laquelle? Trop contente! Ça a grandi ma collection de celle de Noël. C'est pour Sinead. Et du coup, il me manque juste Minnie dans cette collection-là parce que je les ai. J'ai Winnie, j'ai Mickey déjà. Il manquait pour Sinead et Minnie. Donc je suis trop contente. Merci. Trop cool. Donc je vais avoir la collection complète de Noël. Merci, merci. Donc on se retrouve demain pour le numéro 18. Déjà, ça passe trop vite. Bisous, bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc pour le jour 18. Déjà, donc elle m'a marqué en photo, ce n'était pas aussi gros. Tu auras vu ma tête quand je l'ai reçu MDR. Alors ce cadeau, il m'intrigue depuis le début. Et même dans le carton, je lui ai dit, j'ai tapé un fou rire. Parce que je me suis dit, c'est quoi ce truc? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et je sais vraiment, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Et en fait, j'ai tapé un fou rire. Un fou rire quand je passe le carton, je sais pas. Donc, j'avais hâte de l'ouvrir. Elle avait hâte aussi que je l'ouvre. Donc, du coup, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Ben, je m'attendais pas, mais merci, je suis trop contente. Elle m'a offert un coffret de chez I Love, de chez Make Up Revolution. I Love Revolution. Oh, je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est mon... Par contre, il a pris cher la petite boule là, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir? Parce que moi, les boules en général, j'y arrive pas. Je vais pas réussir. Ah mais là, c'est un peu cher la boule, c'est dommage. J'espère que c'est des palettes à l'intérieur. Parce que ça a l'air d'être des palettes. Il y a ouais. Une, deux palettes. Et un rouge à lèvres et un spray fixant. Oh je... Ouais, non. Oh, là aussi, j'ai essayé d'ouvrir un truc comme ça, j'ai pas réussi. Ah. Non, non, je vais pas y arriver. Je vais. Ah si, ça y est. En fait, faut avoir de la force. Ah là. Ah, ça se présentait comme ceci. Oh, je suis trop contente. C'est mon premier coffret. J'en ai jamais eu de chez Make Up Revolution. Je suis trop contente. Merci. Donc, du coup, on a un rouge à lèvres chocolat. Ah, j'ai trop hâte de tester. Donc, on a un spray... fixation chocolat, tout est au chocolat en fait. Oh, trop beau. On a une palette qui est trop belle. Oh, elle est trop, les couleurs sont trop canons. Mmh, ils sont trop beaux. Elle est trop trop belle. Merci. Et on a la petite chocolate, trop mignon. Ça, c'est trop cool pour transporter en voyage ou autre. Elle est trop belle en plus. Elle est trop trop jolie. Je suis trop contente. Oh, merci, mais je m'attends. Ouais, franchement, ce truc-là, depuis le début, je me disais, mais c'est quoi, c'est quoi? Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis trop contente, merci. Donc, on se retrouve demain pour le numéro 19. Bisous, bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui, samedi 19, pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc elle m'a marqué, elle en bave tellement en hiver qu'il faut prendre soin d'elle. Bah, je savais pas trop ce que c'était, bah, je pense à des crèmes pour les mains du coup. Et en plus, elles en bavent en ce moment, j'avoue. Alors, j'ai pas pris de ciseaux. C'est bon. Donc après, je pense à un coffret de crème pour les mains, mais je sais pas. Ah oui, ah trop bien. Trop contente. Merci, je suis trop contente. Donc
Donc c'est bien ça, c'est quoi, il n'y a pas qu'une crème pour les mains, il y a une crème pour les mains, un masque et une chauffette. Voilà, c'est de chez Sephora, c'est les collections de Noël, en plus elles sont trop cute, je trouve cette année les collections de Noël, j'aime trop. Donc merci, merci, je suis trop contente. Et oui, les mains, il faut en prendre soin. Donc on se retrouve demain pour le numéro 20. Bisous, bisous, merci. Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc sur son menu, je sais pas, ça s'arrête au 19. Donc je vais ouvrir, on verra, je vais lui envoyer un message pour savoir. Du coup, c'est pas grave, tant pis, on verra demain. Après, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça a l'air d'être liquide. Une boîte, un parfum peut-être, donc on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est de chez Sephora? Une eau acidulée, cassis et passion, eau de parfum. Donc c'est ceci, ça doit être dans les nouveautés, ça je sais pas, ouais c'est du parfum. Donc je vais pas l'ouvrir parce que je vais galérer. Ça a l'air facile, donc on va voir. Ah oui, ok. Ah oui, c'est ça, c'est notre parfum. Je connaissais pas du tout, donc merci. On va essayer de sentir. Je connaissais pas du tout. Je sens pas. Ah oui, ça sent bon. Ça sent très très bon. Merci. Je connaissais pas ça dans les nouveautés, ça. Donc bah merci, ma chérie. Donc voilà, je tenais à te remercier pour cette semaine. Voilà, merci beaucoup pour tous tes cadeaux. Ça m'a fait super plaisir. Donc je te remercie mille fois. Donc on se retrouve demain pour la suite. Voilà, c'est presque fini. Il reste que 5 jours d'ouverture. Je suis triste. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Bisous. À demain.